Le Bellois, c'est un établissement qui a comme mission la réinsertion de personnes handicapées. C'est intéressant d'avoir sur le même site, d'une part, une clinique de rééducation fonctionnelle et d'autre part, un centre de réadaptation professionnelle, puisqu'il y a une filière et une continuité dans les deux activités. Alors, la clinique de rééducation fonctionnelle, c'est un établissement sanitaire qui prend en charge des personnes après un accident ou une maladie pour une rééducation. C'est le seul établissement de Picardie qui est un atelier d'appareillage qui fabrique des prothèses sur place. Le centre de réadaptation professionnelle, lui, c'est un établissement qui accueille des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et qui ne peuvent plus exercer leur métier. Donc l'objectif du centre, c'est de les former à un nouveau métier qui est compatible avec le handicap dont ils souffrent. Le financement, c'est des fonds publics, c'est de l'assurance maladie. Et des fonds d'assurance maladie qui sont versés par l'Agence régionale de santé de Picardie. En prenant CDI et CDD, on oscille fin 2010 entre 75 et 90% d'insertion professionnelle. Nous basons notre prise en charge d'abord sur l'écoute du patient, le respect du patient. J'ai eu une opération et ça a entraîné des carences. Donc mes membres ils ont été touchés, les pieds, les jambes et les mains. J'ai attrapé la staphylocoque dorée suite à une opération. Et puis bon, ça s'est tourné un peu encore en gangrène et tout. Ils ont été obligés de me couper la jambe. Au niveau du gymnase, les gens ont donc des exercices qui visent surtout le réentraînement à l'effort, également le réentraînement fonctionnel. La rééducation dans l'eau, l'intérêt c'est de faciliter le mouvement par la présence de l'eau puisqu'il n'y a pas de pesanteur, donc le mouvement est beaucoup plus facile. Là, j'arrive un peu à marcher, parce que je ne marchais plus. Celui-ci, c'est sympathique. On est bien soigné, tout est impeccable. Il n'y a rien à reprocher. Le service social et d'admission stagiaire du CRP, il a pour objectif d'assurer la prise en charge complète du stagiaire de formation professionnelle pendant son séjour au centre. Nous avons, on va dire, quatre formations que l'on fait au sein du bâtiment. Les maîtreurs, d'un niveau 5. Les TEB, donc techniciens études bâtiments, options études de prix, qui sont de niveau 4, ainsi que TEB, options dessin de projet. Et nous avons les économistes, niveau 3. La durée de la formation actuellement est de 15 mois plus 3 mois de préparatoire. Les stagiaires ont la possibilité de passer un examen. Cet examen est validé par un jury de professionnels. Je m'appelle Axel Peupier. Je suis en formation de technicienne supérieure en économie de la construction. Je suis diabétique donc de type 1. J'ai choisi le Bellois parce que c'était un des meilleurs centres pour cette formation. Enfin, c'est le meilleur, je crois.
CFA est une volonté de la région Picardie et des entreprises du bâtiment qui ont des difficultés de recrutement. Ce CFA offre trois possibilités de formation, la formation de maîtreur de niveau 5, la formation de technicien études de prix de niveau 4 et la formation de technicien supérieur en économie de la construction de niveau 3. Cette formation-là pour pouvoir grossir la boîte à mon père. Moi, c'est parce que mon père, il a déjà une entreprise de BTP. Vu que j'avais pas du tout une formation dans tout ce qui était bâtiment, élaboration de devis, j'apprends tout de A à Z ici, en fait. Pour tout le monde, c'est 2 ans en alternance, 2 semaines en entreprise, 1 semaine dans le centre. C'est une filière où il va y avoir énormément de demandes dans les années à venir. La caractéristique intéressante de ce bâtiment, dont ProBTP voulait que ce soit une vitrine, c'est le fait qu'il répond à toutes les normes environnementales en vigueur, donc ossature bois, toiture végétalisée, ventilation double flux, qui fait que ça lui permet d'être considéré comme un bâtiment basse consommation. Nous considérons que c'est une grande richesse d'avoir des populations différentes sur le même site, donc d'une part des patients qui sont en état de souffrance, en rééducation, des stagiaires qui sont en formation et des apprentis beaucoup plus jeunes. Je pense que d'ailleurs ça se passe très bien, on a des activités communes, et en particulier tout ce qui touche l'animation. Je pense que c'est une bonne école de la vie d'avoir toutes ces personnes sur le même site et qui participent à des activités communes. On a des bons contacts avec les différentes personnes qui sont ici et toutes les formations en fait.